Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la configuration que nous avions déjà la semaine dernière, à savoir ici des cours qui ont franchi la zone des 5532 points avant de se stabiliser ici au-dessus de cette zone. Il semblerait que le mouvement de consolidation ici soit en train de prendre fin puisqu'on commence ici à réinscrire de nouveaux points hauts significatifs par rapport aux deux précédentes séances. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois dans une configuration plutôt baissière, notamment du niveau ici du MACD et de ses histogrammes. Le RSI, quant à lui, repasse en zone de surachat, ce qui irait plutôt vers une reprise du mouvement haussier. Donc nous sommes toujours dans une configuration assez semblable, avec donc des cours qui résistent ici au-delà des 5532 points. On a toujours donc un objectif de retour ici sur la zone des 5651 points et donc un signal actuellement de poursuite du mouvement haussier. À noter que les volumes sont relativement faibles aujourd'hui, donc on est plus ici sur un mouvement de stabilisation que sur un mouvement de reprise haussière, mais le fait que l'on se stabilise ici au-dessus de cette zone montre que l'on a toujours une force intérieure par rapport à cette dynamique. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter pour aujourd'hui. On reste donc dans une dynamique haussière tant que les cours restent ici au-dessus des 5532 et 5486 points. Il y aurait un vrai retournement de la dynamique si les cours venaient chercher ici la zone des 5430. Premier signal ici d'un possible retournement sur une éventuelle rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point en clôture. Du point de vue des statistiques, on manque un petit peu d'occurrences. Alors bon, il y a des occurrences, mais le nombre est relativement faible. Donc on a une probabilité plutôt baissière sur la configuration actuelle, sur la prochaine séance et les prochains jours. Je verrai si en fonction justement de ce nombre d'occurrences, si nous avons assez pour pouvoir dégager une statistique fiable pour ce soir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je serai absent donc le reste de cette semaine. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.